Allez, salut tout le monde, ici John Cutter pour l'épisode 7 du compteur de slip sur Dead Space. Si je dis pas de conneries, le compteur est à 12, mais vérifiez quand même en bas à droite que le compteur est bien à 12 parce que je dis peut-être des conneries. Et puis on va là, hein, voilà, je vous avais laissé sur cette plateforme, on est dans le système d'ingénierie, je ne sais quoi. Et c'est pas cool ce qui se passe là. Parce que ça sent l'attaque. Le chemin est long. Bah ouais, mais... c'est pas la peine de me rôter dessus. Ok, ils arrivent pas de devant ni de derrière. Par où allez-vous arriver? Là. Comment t'as vu là? Wouah, je sais pas dans quoi j'ai tiré, mais... Ok, là il y a un problème. Oh non, pas ceux qui sont fait brûler, merde. Recharge. Il est pas mort. Il est trop pas mort, attends, t'as juste découpé la papate. Fous-toi de ma gueule, c'est ça. C'est ça. Allez, vas-y. Commence à me faire pied. Hein, voilà. Merci. Ça ne fait pas peur. Un petit peu, quoi. Il y avait du monde au balcon. Bah là, ils commencent à comprendre un peu qui est le plus fort. C'est eux. Bon, alors, en ce moment, ça va. On a les produits de soins et tout. Je suis un peu déçu qu'on n'ait pas encore eu de vrai... Moi, je me serais attendu vraiment à un boss, genre, immense. Un truc bien dégueu, quoi, qui fait chier dans son froc. Bon, je l'aurais peut-être, hein. Peut-être même d'ici 5 secondes, vu que je connais pas le jeu, mais... Mais c'est vrai que je trouve que ça manque un peu hein. Vraiment un truc où on se sent poursuivi, on est obligé de... Où on peut pas s'arrêter. La ferme, Tepper. La ferme. Message important, Temple rapport. Quelqu'un a coupé l'alimentation du moteur principal et il a bousillé les soupapes. Il faudrait les réparer avant de les rouvrir, mais on manque clairement de temps. Sans moteur en état, nous dévierons de notre orbite d'ici 10 heures. Je ne comprends pas qui a bien pu faire ça. Si c'est un de ces enfoirés du nidologue cinglé, ça va saigner. Henderson disait qu'il viendrait. Il fallait pas le laisser vivre. La ferme d'Enders. Et passe-moi le matos. Terminé. Ok, j'ai pas suivi. Mais on est en train de sortir de notre orbite. Encore. Je vous la fais en cours. Et les scientifiques sont méchants. Ah, classique, les unitologues. Bonjour, belle combinaison. C'est pour ressortir par où que t'as fait ça? C'est pas cool. Point de sauvegarde. Il y en a un là-dedans quoi. Vous entendez ces foutus murmures? Pas besoin de recharge de stase. Bon, il s'était foutu là-dedans, hein. On n'est pas fou. Il a pris la fuite. Et mon point de save, il est juste là à gauche, c'est ça? Où est mon point de save? Là. Pas rassuré. Comme d'hab. Mais pas de slip dans l'épisode dernier, si je dis pas de conneries. Les gens disent peut-être. Inventaire plein. Ah bah non, mais non, là c'est pas possible. On a une recharge de stase, y'a pas besoin d'en avoir 12. Ah merde, j'aurais dû... C'est peut-être longtemps que je l'ai. Bon, munitions pour armes d'assaut, bah tant pis, hein, dégage. Comment on la jette? Entrée. Voilà. Et donne-moi le schéma. Hein. ABC. Ah,
Voilà. Plein d'énergie activé. Moteur principal prêt pour activation. En tout cas, on fait des choses. L'énergie est revenue. Les réserves sont pas pleines. Mais si vous relancez le moteur, notre orbite devrait se rétablir. Fausse alerte. J'ai cru voir une ombre. Lui il voit rien du tout. On dirait qu'il est en train de se toucher la nouille, je sais pas où, quoi. Pendant que nous, on nage dans la merde, quoi. Le mec, il croit voir des ombres, hein, putain. Bon, bah, c'est le moment où l'autre va faire sa ressortie. Oh, ta mère. Allez, le pénalty, paye ton pénalty. Pénalty. Ok. Il y a encore un mini-kit de soin. Et bien sûr, je suis plein, donc... Mes balles pour le trancheur, je vais les... j'ai plus qu'à 100 trancheurs. Bah, on réutilise un petit kit de soins, il me manque un peu, mais j'en ai tellement, là, pour l'instant, que... Voilà, il venait de me toucher un peu, bon... Ok, venez. Le bordel, démembrez-vous, quoi. Ok. On commence à nous mettre beaucoup de castors juniors. Ce qui est tout à fait pour me rassurer. Non. Le jeu ne ferait-il plus peur à partir de maintenant? Nous ne sommes qu'au chapitre 3. Non, moi j'y crois pas. On va encore forcément se faire surprendre. Ouais, je me perds, hein. C'est pour ça que je suis tout le temps sur le cheat, et puis au moins... L'avantage de ça, c'est que je peux pas me perdre 10 minutes dans un épisode, ce qui pourrait arriver dans 50 000 autres jeux. Faut reprendre ça? Bon, moi ça me va. Est-ce qu'on va se faire attaquer en l'air ce coup-ci? Parce qu'à l'aller, on s'est fait attaquer en arrivant, mais... En l'air, c'est bien plus flippant, quoi. Ah, bonjour. Hein? Il est rentré, il m'a fermé la porte à la gueule, c'est ça. Comme quoi, en plus d'être moche, ils sont pas si cons. Ça, c'est embêtant. Bon bah, allez, hein. C'est pas ici que t'étais? Et là on va prendre le chemin que j'avais commencé à entamer tout à l'heure, ok. Vous voyez, j'aurais pas dû y aller si tôt. Tout à l'heure ou dans l'épisode précédent. Pour les gens qui se posent des questions, j'en ai tourné 3 d'affilée. Au moins 3, je crois pas en faire 4 parce que... Bah parce que ça me fait très moyennement peur. Là, aujourd'hui, je sais pas si c'est le jeu, hein. Mais après tout, c'est ça aussi le but du compteur de slip, hein. On vérifie si le jeu fait peur, je vais pas faire exprès de faire de la merde. Bon, c'est bon là, l'aspirateur. Ah, et lui, il casse les vitres. Ce qui me laisserait le temps de prendre mon trancheur, probablement. Non, tu fais rien, toi. C'est la bonne route. Bonjour monsieur. Oh, je l'ai raté comme un... Oh, j'avais pas rechargé en plus. Oh, je suis mal. En 16 déjà. Ah, oh, mais putain, je suis pas ça. Tu savais pas prendre la porte ou quoi?
Ah, qui se prend de la peau. Elle grille ses jambes. Bon, j'ai plus de balles dans ce flingue. Mais on est tous d'accord. Alors, j'ai pris cher aussi, tiens. Le gros kit de soins, je suppose que c'est 3 barres, donc c'est ce qu'il me faut. Autant le dépenser au moins une fois. Ouais, même si ça libère moins de place dans l'inventaire, ça, j'en aurais pas forcément besoin souvent. Là, c'est fermé. Bon, bah, c'est ok, tout va bien. Putain, j'ai complètement oublié encore quand je devais arrêter l'épisode. Je ne fais plus peur. Alors, je suis trop joyeux aujourd'hui pour... Je ne sais pas. On a la save ici, attendez. Petite pause, je regarde un peu où j'en suis. Allez, à tout de suite. Ok, c'est bon. Je sais tout. Je sais à peu près quand je dois m'arrêter. Je sais que je vais aller dans le stock. Et, oui, c'est bien. Découpeur. C'est encore une autre arme, découpeur. Bon, nous, on a trancheur. Une scie industrielle, ah ouais. Ah ouais. Effectivement, ça peut donner envie. Ça, on l'a déjà. Ils vendent pas les trucs qu'on utilise pour couper, là. Les trancheurs. Non, ça, c'est mon flingue. Cutter plasma, il a 20 000 quand même. Nettement au-dessus du reste. Énergie plasma. Je vais ranger du kit de soins, en tout cas. On en a encore, mais... Je vais en ranger, ça sert à rien de se promener avec 15 kits de soins, quoi. Puis le jour où j'en aurai besoin, je serai bien content. Deux moyens, deux petits, c'est pas mal, non? Des balles... j'aimerais bien avoir des balles pour mon découpeur, là. Enfin, pour mon... Non, bah pour l'instant, on reste comme ça. Économie, économie. Tiens, ça s'est ouvert maintenant? Non, c'est rouge, c'est rouge. Je sais pas si c'est aléatoire, ça dépend des modes de difficulté peut-être aussi, le fait que tout soit ouvert ou pas, je sais pas. Je me demande où à plusieurs moments de l'aventure, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu les trucs se débloquer en quittant les zones. Peut-être qu'on y reviendra, hein, de toute façon. J'ai une gourde de touche, mais alors 200 000 fois d'affilée là. C'est par là, bah ouais, j'ai pas fait ma save aussi. Ou alors je l'ai faite. Et zéro mémoire. Zéro mémoire. Et on va vers la centrifugeuse, on l'a pas encore faite quoi. Ah, des dents pour mon trancheur. Ce que je peux faire, c'est que le jour... Bon, je vais activer l'ascenseur, voilà. Je vais recharger en avance. Mais je m'équipe quand même du cutter plasma. Bon, il y avait deux balles à recharger, mais... Ça m'évitera de faire la connerie comme tout à l'heure. Ça ne souffle que d'un côté. Alors je n'ai pas envie de me faire centrifuger si vous voulez tout savoir. Décontamination obligatoire. La centrifuge à gravité est un équipement fragile. Tout personnel autorisé. Bon en gros, avant d'y aller, il faut subir une décontamination. Il fait la route, ouais bon c'est vraiment... Très bien, des cadeaux. Petite recharge de quoi? Oxygène? On va avoir des emmerdes? Salaud. Bah, on nous recharge direct en plein de choses. La centrifuge est arrêtée. Bon sang, on a un rocher de 4 milliards. La centrifuge, ça veut rien dire. La centrifugeuse pour équilibrer. Voilà, la centrifugeuse, c'est mieux. Sur la colonie. La centrifuge. Je vais me rendre là-bas, voir ce que je peux faire. Bon, ok. Esprit de contradiction, quand tu nous tiens, on va aller voir un peu ce qui nous attend. Ah bah, il y a même des cadeaux, non? Carrément, lui. Pourquoi il y a autant d'objets? Je trouve ça, mais pas rassurant du tout, quoi. On a eu tout l'équipe de soins du monde, les munitions pour toutes les armes, de quoi s'améliorer. Bon, on va continuer sur le cutter plasma maintenant que j'ai deux points.
Ce qui serait intéressant, bah, peut-être la vitesse, voilà, moins 0,2. C'est surtout la seule augmentation de stats qu'on a directement. Et après on pourra se glisser tout doucement vers les dommages. Allez, vitesse. Et je garde un point. Pour la raison qu'on a vu dans un épisode précédent, c'est qu'il y avait des portes qui s'ouvraient en sacrifiant des points de force et ça peut être très intéressant, je pense. Je pense. Quand on vous demande de sacrifier un truc dans un jeu, faites-le. Dans presque tous les jeux. Ah, voilà le sas de décontamination. Ok. Bon bah, décontamine-nous. Décontamination en cours. Veuillez patienter. On va avoir des trucs passer dans tous les sens, autour. Bonjour. Salut les copains. Il n'y en a pas derrière déjà. J'arrive pas à voir si c'est ouvert la porte. Lock. Toujours lock. J'aime pas. Ok. On tire effectivement plus vite. Enfin, moi je le ressens. Tombe de où? Oh, toi t'es plus costaud. Mais t'as plus de boules. Ils étaient au moins 3. Je t'ai vu. Même si je tire comme... Ah, c'était fantastique tous les tirs ratés là. Il est pas mort. Hein. Ok. Il est mort. Ah, j'ai raté tellement de tirs. D'affilée. Décontamination terminée. Oh, bah, merci super, de votre compréhension. Une sale bestiole qu'il y a dans le truc. Grande trancheur. Putain, je suis décontaminé, il y a tellement de merde autour de moi. Est-ce que eux sont décontaminés? Une chose intéressante. Bon, quitte à faire un peu plus court, je crois qu'au prochain point de save, je vais arrêter. Quitte à faire peut-être un peu plus long aussi, hein, c'est toujours le truc. Mais même cette scène là qui était censée, je pense, foutre les boules, ils sont tous apparus devant moi, du coup j'étais assez chanceux. Don't go eat alone. Take a shovel. Ouais, ta gueule, hein. Par là. Esprit de contradiction. De quoi c'est bloqué? Ouais. Mais il y a des cadeaux. Voilà à quoi sert l'esprit de contradiction dans un jeu. À trouver des bonus. Oui, c'est bon les dauphins là. Arrêtez de faire des bruits de dauphins. Les dauphins ne sont pas agressifs. Ça, c'est mauvais signe. Vous le dire tout de suite. Bonjour. Il y en a encore? Ah. Oui, je suis plein. Et on n'a pas cette arme, donc pour l'instant. Ah bah on a notre point de save. Désolé, l'épisode va être un poil plus court, mais sinon ça va être beaucoup trop long je pense. Une recharge moyenne de quoi? D'oxygène. On va regarder un peu ce que je peux me permettre de balancer. Semi-conducteur or. Vendez-le au stock. Ah d'accord, c'est du pognon. Recharge de stase. Bon, je m'en sers jamais, mais je peux virer 4 balles. Produit de soin, ah c'est emmerdant ça. La petite recharge d'air, je sais pas ce qui m'attend, donc
Je vais déposer ça avec un peu de bol, on y repassera. On a déposé mes 4 balles pour l'instant, c'est vrai que c'est ridicule. J'en gagne suffisamment, donc ok, déposer. Merci. La recharge d'oxygène, je la veux. Et voilà, si au pire, si on repasse par là, il y a 2-3 balles d'énergie plasma. Allez, je paye ma save. Bon, l'épisode sera pas beaucoup plus court, hein, mais... Révision de parcours, qu'est-ce que ça veut dire, ça? En tout cas, on a bien avancé dans les réparations. Si je comprends pas tout à l'histoire. Je sais que je dois réparer des choses pour qu'on puisse partir, en gros, hein, ça se résume à ça, même si c'est mieux expliqué. Mais vous avez le temps de suivre. Moi, j'ai pas les... Je n'ai pas la concentration. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Et à bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!